Salut Devin Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer notre projet. C'est la dernière partie pour aujourd'hui. On a réussi donc à afficher ce petit bloc avec le titre Bienvenue à mon restaurant. Comme vous pouvez le constater dans votre éditeur, on a dans le fichier de configuration de Webpack qui ne va pas tarder à s'ouvrir. On a pu configurer l'entrée, c'est-à-dire là, on va mettre notre code source. D'accord, index.js et déterminer également la sortie qui sera le fichier main.js. On a connecté donc ce fichier main.js à notre fichier index.html, comme vous pouvez le voir ici. Du coup, on a pu compiler tout. Dans notre index.js, on a donc on a ciblé en fait la div content qui est dans notre index.html ici. D'accord? Et on a ajouté à cette div. Laissez-moi montrer. On a ajouté à cette div justement la structure de base. Donc, j'ai appelé ça PageLoad. C'est un module qu'on a importé et qui est ici. Et donc, il va tout simplement ramener, afficher dans le DOM ce bloc. On a également vu comment importer Bootstrap. Donc, on va continuer. On va continuer. Donc, ici, on va rajouter une petite image. Voilà, une petite image du restaurant. Je vais prendre l'image sur Unsplash. C'est une excellence qui contient des images de 3. Qui sont libres de 3. Voilà, restaurant. Voilà, on va pas stresser. On va prendre ça. Copy image address. Donc, juste en bas de mon restaurant, donc je vais créer une variable qui va s'appeler image et qui va donc s'occuper de créer un élément une balise img. D'accord? Ensuite je vais rajouter à l'image un attribut, cet attribut img. Je dirais src. L'src, la valeur sera donc notre lien ici. Hein. Ensuite, je vais faire, je vais rajouter l'image directement en dessous de notre titre. Donc, toujours dans la colonne. Ok. Donc, on va faire. Je vais aussi racheter un attribut. Hein. Je suis pas obligé de racheter un attribut. Je vais peut-être racheter un attribut. Voilà, on va appeler. Je vais racheter une classe, pardon. Je vais racheter une classe. Class list.add. On va appeler. Image. Tout simplement. Je ne suis pas très inspiré pour les images, pour les noms aujourd'hui. Hein. Bon, je suis rarement inspiré pour les noms. Et donc, on a. Le truc, on va donc faire colonne.append image. D'accord? Et j'ai déjà lancé le serveur ici. Donc, j'ai utilisé npx webpack. Npx webpack watch avec le paramètre watch. Donc, normalement, ça a compilé. Je pense. Hein. Je vérifie. Ouais, je pense que ça a compilé. Donc, si j'actualise ma page ici, voilà, j'ai une image juste en dessous que je vais arranger. On va donner à cette image, on va donner à cette image peut-être 8 de 50%. D'accord. Puis margin. Auto, ça prendra pas mal, je ne ça prendra pas, je suis fou. Alors, on va prendre 50% ou on va dire plutôt 100%. Voilà, 100%. Donc, je viens dans mon style CSS. Voilà, il va nous servir à quelque chose. Hein. Aussi, je crée mon sélecteur de classe image. Je donne 8. Bon, j'aurais pu ne même pas donner de classe comme ça. Hein. J'aurais pu
directement dans le fichier JS, je vais générer tout ça, hein, le fichier JS, des classes. Donc, en plus d'images, je vais générer une classe. Donc, je n'ai pas vraiment besoin d'images, ce coup-là. Je vais juste générer une classe W-100 qui va prendre la largeur 100, c'est une classe Bootstrap. Je vais générer une image IMG Fluid aussi. Bon, je pense que IMG Fluid déjà va gérer tout ce qui est vide, tout ce qui est largeur de 100%. Donc, en plus d'IMG, je vais mettre Rounded, voilà, pour juste arrondir un peu les bords. Voilà. Ok. On voit ce qui se passe. Non, ça va pas encore compiler, on patiente. J'actualise toujours pas. J'actualise encore pour voir. Toujours pas. J'inspecte. Non, ça n'a pas encore pris, donc on patiente. Webpack, c'est comme ça. Webpack tarde à compiler, hein. Tout dépend de la rapidité de votre machine. Voilà. Donc là, on est bon. Vous remarquez que les bords aussi sont un truc. Voilà, donc on a bien vu dans notre restaurant. On va mettre maintenant les onglets. Rapidement, les onglets. Donc, onglet, je tape tab, c'est le mot en anglais. Tab, Bootstrap 4. On va montrer comment mettre des. Comment mettre des tabs. Ok. Allons voir ici. Donc, faut qu'on trouve les onglets. Alors, les onglets, je sais pas où on peut avoir. Ok, bon, on va aller sur la doc de MD Bootstrap. D'accord, j'ai mis un temps fou à trouver parce que je dirais, il n'y a pas vraiment de documentation qui explique comment mettre et les tabs et les contenus des tabs. Donc, j'essayais d'en trouver en fait. Moi, j'ai déjà des pages avec des onglets, mais je vais vous montrer un peu, voilà, qu'il faut faire des recherches et tout. Donc, on va aller avec ce qui a été donné là. OK. Donc, on va tout simplement mettre ça sur le côté. Et on va rajouter des onglets juste en bas de notre row ici, d'accord? Donc, on va juste en bas de notre row. Qu'est-ce que je fais ici? Bon, je vais mettre plutôt les appels en dernière position. Et donc, on va rapidement créer notre table. OK. On va donc une autre table. On va appeler ça Tabs. Donc, comme on l'a dit ici, comme vous voyez là, il faut créer une balise UL avec ces différentes classes. Ok, on va aller rapidement. Hein. Donc, on va créer. Je ferme ça. On va créer. Balise UL. Et on va lui donner. Une classe nav, une classe nav tabs. Ben, je pense que là on est bon. On va ensuite, je pense que dans nav tabs on a tout. On va créer nos deux onglets. Donc on va créer l'onglet menu tab. Donc menu tab, ça sera une liste. OK. Qui va avoir pour classe.
Vais-je donner comme classe nav item. C'est nav item comme ça. OK. Donc, je vais accélérer la vidéo rapidement pour ne pas perdre du temps, d'accord? Voilà, donc on est bon. Vous pourrez récupérer ça dans le code GitHub. Hein, vous pouvez voir ça dans la première partie de la vidéo, le code GitHub. Je mettrai sur en description ici. On va maintenant exécuter. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Bon, c'est venu ici en haut. On va plutôt changer tout ce qui est. Vous voyez que le menu est venu. Mais on va mettre ça en dessous, en fait. Donc, on va changer tout ce qui est App and Child. Voilà, tout ce qui est App and Child. Je vais changer et mettre ça en App and. OK. Peut-être que c'est ça le problème. On attend impatiente. Oui, c'est normal que ça fasse ça parce que j'ai mis les append en dernière position ici, en fait. J'ai mis les append en fait, du bloc en dernière position. Je vais plutôt les prendre là et les mettre juste ici. Voilà. Comme ça, c'est clair que ça viendra en bas. Patiente, que ça compile. OK, ça va compiler. Voilà, et c'est venu en bas ici. D'accord? Du coup, ce que je fais, c'est simple. Je vais cibler mes éléments. Par exemple, ce qui doit être dans le truc de menu. Normalement, c'est. On a notre div, voilà, table contents ici. Et normalement, on a cette div-là, voilà, qui est la nav home. Si on a la nav profile, donc on peut mettre nav menu, nav contact, ça dépend. Donc, nous, on va cibler cet élément-là. Donc, je vais encore copier le code. Bon, j'ai pas besoin de copier, on va juste aller dans notre menu content. Menu content sur un module. Voilà, menu content. C'est une fonction fléchée. D'accord. On va juste cibler menu tab sera document. Get. On va cibler l'ID nav home. Et on va juste append. Menu tab point inner bon on va juste peut-être mettre const menu ça sera un paragraphe document create element p on va juste mettre p point inner html égal menu. D'accord. Et on va faire menu tab point append
menu. OK, tout simplement. Du coup, dans mon index.js, ici, je vais importer la fonction menu content, sans les parenthèses, from slash menu content, tout simplement. Et du coup, après avoir envoyé la structure avec page load, je vais append. Bon, dans ce cas, si je vais append tout ça, j'ai pas besoin. Bon, ouais, on peut quand même faire un append. Donc, on va faire append menu content. Tout simplement. Va patienter encore. J'actualise. Toujours pas en train de compiler. On patiente encore. Patient. Ça peut prendre du temps, vu que ma machine est en train d'enregistrer tout ça aussi. Donc, je suppose que on va quand même vérifier. Non, on n'a rien au niveau de notre home. Et au niveau de menu content, c'est bien le nav home qu'on cible. Bon, on peut pas appeler menu content parce que on a une erreur. On a une erreur. J'aurais dû voir ça. J'aurais dû voir ça. J'aurais dû voir ça, voilà, parce que on n'a pas exporté, en fait. On n'a pas exporté menu content. Voilà, export default menu content sans les paramètres. Et on va patienter encore. OK, on va exécuter, voir. Non, on va exécuter, on va patienter encore. Patienter encore, on compile, toujours la même erreur. P is not defined. Cette fonction du P n'est pas définie. Oh, purée, c'est menu. Menu, désolé, c'est sûrement la fatigue. Ah, menu. Donc, j'actualise encore. Je patiente. J'actualise toujours en attendant que Webpack compile. Voilà. Voilà, undefined. Là, ok. Voilà, undefined. D'accord? Je pense que peut-être qu'il y a un console log quelque part. Sais pas pourquoi l'undefined est sorti. Bref, on va avancer. Donc, vous avez compris le principe. Ça sera import. Contact. Même chose. Donc je vais vous laisser faire pour import contact. Je pense que vous avez dû comprendre. Je pense qu'on va s'arrêter là. La vidéo est assez durée comme ça. Voilà. Je comprends toujours pas quel est le point avec une défense. Donc dites-moi en commentaire là où j'ai merdé. Donc, vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Le dépôt GitHub, il est. Le lien, il est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. À laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et vraiment désolé encore. C'est petit truc, c'est vraiment la fatigue. Mais voilà, même si je suis fatigué, je tiens quand même à faire des vidéos pour vous. Voilà. J'espère que ça vous a aidé ce petit projet Webpack. Donc, c'est la fin de cette série Webpack. Je pense que pour la prochaine vidéo, je vais peut-être m'attaquer à, je sais pas, Rails ou Symfony, ou je sais pas, ou React.js. Ça dépend. Donc, dites-moi ce que vous aimez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.